Je supporte pas ce hérisson. Je t'aurai, Sonic. Mais cette fois, je ne serai pas seule. J'aurai toute une équipe avec moi. Oh! Salut, je suis Pichu. Coucou, bébé. Top mes volts. Sérieusement? Je m'attendais pas à ça. Je pense que ça devrait être mieux maintenant. Allez! Coucou, moi c'est Miaous. Salut, je suis ton nouvel ami. Ok, on joue ensemble? J'aime pas vraiment ce genre de jeu. C'est qui maintenant? Salut! Yes! Au moins... plutôt... descends. Regarde ce que j'ai trouvé! Qu'est-ce qui va pas chez vous? J'ai une idée. Je vais tenter de connecter le module. Si je peux rediriger les rayons gamma, je ferai de ces chenapans des adultes. Ah ah, ça a marché! Hein, on est où? C'est quoi ça? Enfin! Mon armée dans toute sa beauté. Gare à toi, Sonic. Hey, tu peux faire attention un peu? Voici votre cible numéro 1. Sonic le hérisson. On doit donner une bonne leçon à ce voyou. Alors, au boulot! Petit farceur, va! Tu vas jouer avec moi ou pas? Quoi? Ok, à qui le tour? Salut, tu veux un donut? Je peux partager avec toi. Hein? T'en veux pas? Mais c'est quoi leur problème? Oh, Dardanian, vas-y! Hey, j'ai du bon miel! T'es pas allergique, hein? Mais qu'est-ce que je vais faire de vous? Je vais vous montrer quoi faire. Prends ça. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'il fallait faire à Sonic? C'est horrible! C'est pour moi? Merci, mais j'ai pas faim. Ah, pour l'instant! Mais si Sonic t'approche, t'auras même plus de lait. C'est pas grave, ça me dérange pas de partager. Rien que sa présence fera cailler ton lait. Oh, mais non, pas ça! Oh, oh merci! C'est un cadeau pour toi de la part de Sonic. Les cupcakes, c'est sacré! Où sont mes provisions? Je vais dire quoi à la ruche? Qui a fait ça? C'était donc Sonic? Oh, il perd rien pour attendre! Où est ce voleur? Oups! Maintenant, on a un ennemi commun! Vous y croyez, ça? Comment il a osé? C'est pas possible! Vous, je vous garde pour plus tard! Ah, Miaous, c'est que le début! Tu veux une friandise? Encore une friandise? Je veux te voir le mettre en pièces! Alors tu ferais mieux d'aiguiser tes dents! Ok. Attends une seconde. Mais c'est une balle, j'adore jouer avec ça. Miaou, miaou. Vous voulez m'échapper? Je vous retrouverai, mes jolis. Reviens, tu vas où? Faut que je les attrape toutes. Y'avait de l'herbe à chat là-dedans ou quoi? Hey, touche pas à ça. Te voilà! Mais qu'est-ce que tu faisais? Méchant chaton! Recommence plus! T'essaies de me faire peur avec ça? Tu me fais trop rire! Hein? Oh. Et qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Sérieusement? Oh, ok! Alors attrape! Quoi? Oh, un serpent! Ok, désolé! T'avais juste à manger le chewing-gum! Un ballon? Quoi? Pourquoi t'as fait ça? L'instinct? Fais-lui la même chose. Est-ce que c'est clair? Si c'est un ballon, alors ok. Qu'est-ce que c'est? Intéressant. Quoi? Alors là, ça va pas le faire. Retire tes pattes de mouche de mes goûters. Trop bon! C'est pas un resto ici. T'as cru que tu pouvais me crier dessus comme ça? T'aurais dû y réfléchir à deux fois. Oh non, maman! Mais qu'est-ce que t'as fait? Quelle horreur! Tu sauras qu'il faut pas venir m'embêter quand je mange. Ah, vraiment, hein? Très bien. Je vais m'occuper de toi, tu vas voir. J'ai une idée. Oups, pas ça. Ah, c'est mieux. Ah, voilà, c'est ce que je cherchais. Transformation activée. Des bonbons?
Qui a fait ça? Prends ça! Aide à... Oh non! Il court vite! Ça doit être Sonic! T'aimes les chocolats? Je peux manger le paquet jaune ou le paquet marron? Écris les deux en commentaire et je les mangerai tous! Si tu penses pouvoir t'en sortir comme ça alors! Hein? J'ai assez vu d'abeilles aujourd'hui! Jarvis! Je veux retrouver mon apparence normale! Hé! Hey, être ou ne pas être? Debout! Bon flex! Quoi? Tu vas lui faire quoi à lui, hein? Imagine, il prend un donut! Rien! Tu vas même pas lui taper dessus? Lui donner des coups dans le donut! Ou je mangerai plus de donut! Tu comprends rien, il t'a tout pris! Hé, hey, doucement le moustachu! Aouh! Et maintenant? Rends-le-moi! Je vais le manger! Compris? Ah, toi! Ne réveille pas la bête qui est en moi! Tu crois que je peux pas le reprendre? Ok, ok, j'ai compris! Ah, pitié! On dirait que tu prends un autre ton avec moi maintenant! C'est pour toi! Waouh! Miam miam! Ouh, il s'en est fallu de. Quoi? Il a déjà tout mangé? Hé, hey, Ronflex! Il s'est endormi? Parfait! Maintenant, il va détester Sonic encore plus que moi! C'est quoi ce boucan là? Stop la ferme! Je commence à en avoir marre! Je déteste Sonic! T'en veux toi aussi? Ouais, c'est pas pour rien que je suis Miss Pokémon 2023. Hé, hey, Evoli, lâche un peu ce magazine. Je saurais pas dire où je suis la plus belle. Sur la couverture ou dans mon reflet? Comment je pourrais attirer son attention? Ce truc devrait marcher. Hé, hey, Evoli! Waouh, c'est un repulpeur de lèvres? Elle est vraiment jolie. Ça, ça devrait la faire réagir. Qu'est-ce que t'as fait? C'était Sonic! Quoi? Mais pour qui il se prend, lui? J'aime cette attitude. Goûte à ça. Est-ce que c'est sans sucre? Ça fonctionne! Je devrais filer. Ça a un goût chelou, c'est au poisson? Ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'aurais pas dû accepter le bonbon d'un inconnu. C'est sûrement encore de la faute de Sonic! Tiens, ça devrait te rendre plus fort. Très bien. Il est au ketchup celui-là. Quelqu'un a besoin d'un petit coup de jus? C'est tout? Ouais, tu mérites mieux que ça. J'en ai d'autres. Ce goût est étrange. Un peu épicé. Waouh! Un Evoli de feu? C'est parfait ça! Tu te rappelles qui a pris ta place? Personne ne sera jamais plus beau que moi. Même pas en rêve. Waouh, alors ça, c'est puissant! Sonic n'est pas prêt pour ça. Quoi? Mon équipe vengeresse est bientôt prête. Waouh, qu'est-ce que j'entends là? On te trouvera, Sonic! Je vais te transformer en fromage fondu. Et moi, je vais en faire un barbecue. Et je le réduirai en salade. Réveillez-moi quand vous aurez fini la cuisine. Génial! La première étape est terminée. On peut passer à la deuxième. Hein, qu'est-ce que tu veux? T'as pas l'air très dégourdi. Comment ça? Tu t'es pesé dernièrement? Je suis en pleine forme. Tu peux faire mieux que ça? Ça a un goût de fraise, ce truc? Ok, j'ai compris. Allez, Ronflex, brûle ses calories, dépêche! Encore, encore! 199, 198, encore 197, Ronflex, tiens bon! Tu veux un donut? Squat! Je t'aurai, mon donut, quoi qu'il en coûte! 600, mais comment c'est possible? Bah, je sais pas, moi! Pourtant, il y a écrit qu'il y a moins de matière grasse! Il manque pas, hein? Ok, je vais devoir te regonfler à bloc! Donne-moi ta main. Waouh, comme c'est puissant!
rien ne pourra se mettre en travers de mon chemin maintenant. Ça a marché. Trouve-le. Je vais le déchiqueter en morceaux. Ouais, nous aussi, amène-le nous. Super. Je pensais que vous me demanderiez jamais. Waouh. Hey, les amis, vous êtes pas contents de me voir? On va te mettre une dérouillée. Te réduire en bouillie. Ouais. Ok, je suis pas un lâche. Je vais me battre. Goûte un peu à ma boule de feu. Vas-y, bébé, envoie la pâtée. Waouh, mon plan a marché. Quel beau spectacle. Vole comme un papillon et pique comme un dardagnan. Ça, c'est pour ton miel. T'es plutôt doué en boxe. Hey, c'est quoi ça? T'es fichu! Oh non, je suis pris au piège. Attaque de chatouille surprise. Désolée, Ronflex, c'est pas ce que je voulais faire. Je ferais mieux d'y aller. J'adore les pelotes de laine. Ok, c'est pas le moment. Bye bye. Wouh! Hey, ça va? On va t'aider à te relever. Ils l'ont chopé, yes! Oh oh, ça tombe plutôt mal. Quoi? Tu nous as piégés? Oh! C'était avant de vous rencontrer. T'es fichu, Robotnik! Retournez dans la Pokéball. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Je suis cachée! T'avais pas assez de place ou quoi? Hé, hey, où elle est maintenant? C'est un ninja? Bref, nous y voilà, Sonic! Tu vas voir, Robotnik! Défends-toi! Tu m'échapperas pas cette fois. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On va voir de quoi t'es capable. Sonic, c'est à ton tour! Occupe-toi du bébé. Je vais m'amuser un peu. T'as encore tout gâché! Très bien, approche! Prends ça! Pas si vite! Et c'est donc mon petit cadeau. Je crois que c'est la bonne taille. Personne pourra te sauver maintenant. Revenons-en à mon plan. Je vais te prélever un échantillon d'ADN. On va te couper une mèche de cheveux. Tu veux me mordre? Vilaine Amy, ce petit électrochoc devrait te donner une bonne leçon. J'ai le premier échantillon. J'ai attendu si longtemps pour ça. Le convertisseur est prêt. Il est temps de l'allumer. Personne ne pourra se mettre en travers de mon chemin. Hé, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, fonctionne, espèce de tas de ferraille. Oh, te voilà, Robotnik. Salut. T'as une infestation de rongeurs chez toi, dis-moi. Regarde, des anneaux. Où ça? Attends, mais je vois rien. Oh non, il est parti. Tu m'échapperas pas. Tu vas loin comme ça? Oh non. Ah, oh, pitié, pas la moustache. Détache-moi tout de suite. Oh, wow, mais quelle saleté. Amy, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te prends pour un porte-manteau? Ah, je vois, c'est le bracelet. Laisse-moi te l'enlever. Fais attention. Je gère. Aouh! Mais je t'avais prévenu. Quoi? Mais comment il a fait ça? Pitié, me faites pas de mal. Sonic, et si on donnait une bonne leçon à ce sale type? J'ai déjà vu tous ces trucs. Il y a peut-être de nouveaux produits dans le magasin. Ouah, j'ai toujours voulu avoir un marteau comme ça. Mais ça coûte une fortune. Mais comment ça? Il tirait super bien pourtant. Je vais vérifier mon compte. Oh non! J'ai même pas assez d'argent pour acheter juste le manche. J'ai une idée. Je vais me convertir en cuistot. Sonic va devoir travailler deux fois plus pour acheter ce marteau. Il va aussi devoir exercer plusieurs métiers. Mais Sonic est prêt à tout pour faire plaisir à sa bien-aimée. Ah! Alors, combien j'ai gagné? Enfin! Je suis sûre qu'Amy sera trop contente. Waouh, c'était rapide! Merci beaucoup. Elle va l'adorer. Oh, il est tout rayé. Tiens bon, mon vieux. C'est pour toi. C'est vraiment pour moi? T'es le meilleur. Mais où t'as trouvé autant d'argent? C'est une longue histoire. Certains secrets doivent rester secrets, j'imagine. Mais merci pour le marteau. Mon pauvre, t'as l'air tellement crevé. Tu sais, j'ai quelque chose pour toi aussi. Surprise! Merci, Amy, c'est trop bon. Et voilà, j'ai trop hâte de l'essayer. Cristaux verts? Ça a marché! Un anneau sur le canapé? Peut-être que c'est celui d'Amy? Il mène où ce portail?
Je le savais. Sonic. Robotnik? Mais comment tu as fait ça? Je suis content que tu demandes. Tu ne me battras pas cette fois. Et qu'est-ce que tu vas faire, espèce de morse sans défense? Tu vas maintenant m'obéir. Et voilà ce qui me manquait. Qu'est-ce que tu piques? Je vais t'enlever ce sourire de ton visage, tu vas voir. Oh oh. Sonic semble avoir de sérieux ennuis. Sonic? Sonic, mais t'es où? C'est quoi ce bruit dans le salon? J'espère que Sonic va bien, chérie. Mon cœur sait qu'il se trouve de l'autre côté. Je dois me dépêcher. Bébé, allez, viens, suis-moi. T'es énorme. Pouh! C'est passé. T'es là, mais qu'est-ce que tu portes? Oh non, c'est encore une ruse de Robotnik. Chut! Je vais te libérer dans une seconde. Oh, je crois que c'est bloqué. Allez! Sonic? Où il est passé? Il était juste là. Il est peut-être parti faire un tour. C'est nous que tu cherches? Quoi? Dis bonjour à mon marteau! 100, 200, 300, c'est tout pour aujourd'hui. Chérie, je veux rien insinuer, mais bon. Tu veux perdre du poids? Excellente idée! Je crois que je devrais faire pareil. Oh là là, ces hommes alors, ils comprennent rien à rien. Du sport avec des haltères. C'est la clé pour vite se muscler. Quoi? C'est vite ce truc! Hey, je me disais que le bébé aurait sûrement besoin d'un biberon. Le bébé est un peu occupé en ce moment, chérie. Yes, je suis pas un hérisson, je suis une machine! Je vais faire le plein d'énergie. Parfait après ma séance de sport! Je suis enceinte! Quoi? Ouais, je vais être papa! Je t'aime tellement! Ok, alors le bébé arrive dans 9 mois, c'est ça? Chez les humains, oui! C'est beaucoup plus rapide pour notre espèce! Il fait froid, non? Je reviens tout de suite! Wow, ça caille! Je suis là, ça va mieux? Ouais, mais c'est pas confortable! Le canapé est trop dur! N'en dis pas plus! Mais qu'est-ce qu'il a, ce canapé? Oh! Tiens, chérie. Ouais, merci. Okay. Je suis tellement de mauvaise humeur. Je dois trouver quelque chose pour Amy. Non, pas ça. De la poudre? Toujours pas. Du chocolat? Sonic, t'es où? J'arrive! Chérie, régale-toi. Je reviens tout de suite. Quoi, il y a trop de bulles? Mais le popcorn est super bon. Oups, il y en a un qui est tombé. Trouvé! Ça, ça devrait te remonter le moral. Et comment, hein? Ce sombrero me va même pas. Je préférais le pop-corn. Tiens, des chaussettes pour te tenir chaud. Sauf que j'ai froid aux mains. Ce gant gourmand a repéré le pop-corn. Miam! Bon, je m'ennuie. De la musique, ça devrait te mettre de bonne humeur. Comment on change la chanson? C'est nul! Sonic! Oui, ma chérie? T'es où? C'est bientôt la fin? Oh non, ça fait qu'une minute! Tape donc la discute avec Mickey. Et je suis censée lui dire quoi? Il a du coton dans la tête, celui-là. Peut-être que t'aimerais chanter? J'ai faim et ça, ça se mange pas! Chérie, je sais que t'as toujours voulu une voiture. On peut même pas mettre le bébé dedans. Et moi, je voulais une voiture électrique! Bon sang, mais j'en peux plus de cette torture! Allez, c'est enfin le moment? Ah, enfin! Chérie, regarde notre bébé. Il te ressemble comme deux gouttes d'eau. T'as pas idée de comment je suis heureux? Oui, bébé? Oh, le voilà, il est trop chou! Oh, Sonic, t'es mon héros. Repose-toi pendant que je m'occupe du bébé. On va aller prendre l'air, ok? Waouh, t'es réactif, toi! Mon cœur! Je peux me joindre à toi? Oh, j'espère que t'as pas de rhume, par contre. T'as aussi un bébé? Oui. Miss, je t'en prie, il y a assez de place pour nous deux. C'était moins une. Il fait tellement chaud. Normal, vu la forêt que t'as sur les jambes. Miss, tu veux voir la tête de mon bébé? Qu'est-ce que c'est? Ma tête! Deux pour le prix d'un, j'ai de la chance. Mon bébé? Où est mon bébé? Ah! Tu vas voir, Robotnik, t'es fichu! Chut, c'est moi! Robotnik! Vite, dans son labo! Goosey, goosey! Bon, je suis pas venue jouer à la babysitter. Tout ce que je veux, c'est un peu de ton ADN.
Ah ah! Il est temps de passer à l'étape finale de mon plan. C'est parti! J'ai hâte que tout le monde implore ma pitié. C'est prêt! Cette fois, tout va se passer comme prévu. J'ai mon levier. J'ai tant attendu ce moment. On va enlever la sécurité et... Tu t'attendais pas à me voir, hein? Sonic? Amy? T'as oublié mon marteau? On va en finir rapidement. Chérie, attends, tu peux pas faire ça. Je reviens tout de suite. Là, monsieur l'agent, on l'a chopé. Quoi, mais comment il est sorti de prison? Je retourne en tôle? Oh non! Bye, j'espère ne jamais te revoir. Attends, le bébé. Le voilà, j'espère qu'il va bien. Mon chéri, on est à nouveau réunis. Depuis l'arrestation de Robotnik, les hérissons ne risquent plus rien. Sauf de vieillir. Oh, mon dos! Fais attention, chérie. Oh, c'est tellement douloureux. Eh oui, Sonic a beau être rapide, la vieillesse l'a tout de même rattrapé. Oh, Sonic, ton anneau, tu l'as laissé sur le canapé. Mais quoi qu'il arrive, l'essentiel, c'est de garder un esprit jeune. Hey, c'est Sonic! Cet anneau est donc à lui. Je crois que le hérisson n'est toujours pas bien réveillé. Hey, t'es qui? Comment t'es arrivé là? T'as perdu la tête ou quoi? J'étais chez moi il y a une seconde. Qu'est-ce qui se passe ici? Si c'est un rêve, tu vas fondre tout de suite. Tu m'as déjà mouillé à l'instant. Tu ferais mieux de m'aider à récupérer mes Pokémon. Ross est toujours là? Sonic a attrapé des méchants bien pires que ça. Et forcément, Ross a eu peur. Mais c'était juste une distraction. Je t'ai manqué? Alors Sonic, tu vas leur faire la peau? C'est pas une carie, va falloir une plus grosse arme. Maintenant, c'est une autre histoire. Mais l'équipe de Ross n'a pas l'intention de se rendre aussi facilement. Je crois pas que Galoppa soit d'humeur à jouer avec des anneaux. Ash fait des cauchemars. Oh non, c'était pas un rêve! Au secours! Que quelqu'un m'aide! La gardienne Galoppa ne tolère aucun bruit dans sa prison. Oh non, c'est encore elle! On a désespérément besoin de renfort ici. La dernière Pokéball. Fais vite, Salamèche, on est en grand danger. Tu dois me sortir de là! C'est pas comme ça que Salamèche avait prévu de terminer son pique-nique. Salamèche n'a pas utilisé ses flammes. C'était qui alors? On dirait que cette prison est trop petite pour deux Pokémon de feu. Que la plus forte gagne. Salamèche prépare son attaque. Galoppa s'attendait à voir quelque chose de bien plus impressionnant. Elle maîtrise aussi le pouvoir du feu. On dirait que leurs pouvoirs sont tout aussi puissants. Ash, c'est pas des hooligans! Faut cette batte! Tu vas tout faire foirer! Mais l'extincteur devrait refroidir Galoppa. L'équipe d'Ash a maintenant l'avantage. Oh oh! Ils viennent de mettre Galoppa encore plus en colère. Salamèche a beau faire des efforts, elle va devoir renoncer et retourner dans sa Pokéball. La flamme du dernier espoir s'est éteinte, on dirait. C'est exactement ce qu'il me fallait pour compléter ma collection. Merci Ash! Ross va rendre tous les Pokémon maintenant. Et pour que le dresseur ne bouge pas d'un poil, Ross va libérer de nouveaux gardiens. Ça va être dur d'échapper au tatou Abra et à l'abeille d'Ardanian. Gardez bien un œil sur lui. Abra va s'en charger. Ash est maintenant complètement à sa merci. Sonic, lui, s'en est bien sorti. Mais il est toujours pas rentré chez lui. Hey, ce type à l'écran me dit quelque chose. J'ai rassemblé les Pokémon les plus rares. Et je suis prêt à les offrir à un prix raisonnable. Alors ratez pas votre chance. Maintenant, Sonic sait comment trouver le méchant. Mais il doit pas tout gâcher comme la dernière fois. Sonic va devoir s'entraîner sérieusement. Peut-être qu'il va devoir affronter tous les Pokémon en même temps. Mais ce défi motive vraiment le hérisson bleu. Il doit sauver Ash et les Pokémon. Je crois qu'il est prêt. Il faut juste s'assurer qu'il est assez rapide. Wow! Le compteur de vitesse ne s'arrête plus. Quoi? C'est un vieux record, ça! Voilà, c'est mieux. Ouais, Sonic est prêt maintenant. Personne ne pourra l'arrêter. La vente aux enchères est maintenant ouverte. Le premier Pokémon est Meowth. Mignonne à l'extérieur, mais prédatrice dans l'âme. C'est une expo achat ou une vente aux enchères ici? Ross semble avoir perdu son public. Les investisseurs sont plutôt déçus. Ross n'a plus qu'à montrer ses Pokémon en action. Meowth n'est pas contente d'être vendue comme un objet. Oh, tu veux jouer au chat et à la souris? On peut faire ça si tu veux. Meowth s'est rendu compte qu'il fallait mieux être vendue plutôt que de rester avec un fou pareil. Regardez comme elle est mignonne. Qui pourrait résister? Les acheteurs se battent. On aurait mieux fait de commencer par ça. Maintenant, tout le monde veut avoir son propre Pokémon.
Adjugé. C'est maintenant au tour de Ronflex de surveiller H. H peut pas rester ici plus longtemps. Il doit absolument trouver un plan d'évasion. Un bon donut. Ronflex ne pourra pas résister à quelque chose de sucré. Ça a pas marché, hein? On va persister. Ronflex ne manque jamais une occasion de manger. Je peux en avoir un? H lui propose d'échanger toute la boîte contre le trousseau de clés. Une boîte entière? Comment refuser? Même si Rose va pas être contente du tout. Son amour des sucreries a pris le dessus. Comment résister à un tel dessert? H a réussi à se libérer. Il ne lui reste plus qu'à récupérer ses Pokémon. C'est plus cette serrure qui va l'arrêter maintenant. Mais il a l'air bloqué. Hein? Non, c'est juste Ronflex qui a trop mangé. Ça lui a demandé beaucoup trop d'efforts de digérer cette boîte entière. C'est pas grave, H. La vie, c'est comme une boîte de donuts. On sait jamais quand on va en trouver un déjà mâché. H n'arrive pas à avoir l'esprit tranquille, alors que ses Pokémon sont en danger. On dirait qu'il y a eu des travaux ici récemment. Comment on peut laisser des outils sans surveillance ici? On va essayer de sortir par la bouche d'aération. Après quelques coups de Mjolnir, la grille commence déjà à bouger. Dans peu de temps, H pourra à nouveau respirer l'air de la liberté. Dépêche, H! Le gardien pourrait arriver d'une minute à l'autre. H comprend maintenant ce que ressentent les Pokémon dans une Pokéball. Je me demande ce qu'il y a dans cette pièce. C'est Rondoudou. Et elle est en train de donner un concert. Non, H! Ça a l'air d'être un cul-de-sac. Vaut mieux retourner en arrière avant qu'il ne soit trop tard. Wow, ça fait flipper! Il était à deux doigts de s'endormir. Va falloir dissimuler toute l'épreuve maintenant. H, dépêche! Faut pas qu'on prenne la main dans le sac! Youa, c'est bon! H ne sait toujours pas comment sortir de sa cage. Pikachu, c'est toi? Livraison de nourriture, Troom! Rien que pour H Ketchum! H se rappelle pas avoir commandé de baguettes. Mais c'est pas parce que t'es pas au courant d'une commande que tu dois pas la payer. Où est-ce qu'il pourrait trouver de l'argent en prison? Et qu'est-ce qu'on va lui faire s'il la vole? Le remettre en prison? Il a eu de la chance cette fois-ci. Mais H lui en doit une. Oh, elle est dure! Elle est en métal ou quoi? H n'était pas loin de la vérité. C'est une baguette de 3. C'est la clé vers la liberté. Maintenant, il va sortir de sa cage en un rien de temps. Ah, H, t'as de la visite! Ross a envoyé Evoli prendre la relève. Et elle est très intriguée par ce que fait H. Bien joué, H! Evoli ne semble pas se douter de quoi que ce soit. Le Pokémon est jaloux de la Limaongle de H. Il pourrait peut-être la prêter à Evoli. Personne ne peut résister au charme d'Evoli. Oh non, H! La laisse pas te la prendre! Est-ce que c'est la fin? Mais on dirait que la chance sourit de nouveau à H. Dardanian a maintenant pris le relais. H, t'es sûr que c'est une bonne idée d'embêter cette abeille? Même l'abeille est surprise par son insolence. Mais H veut pas s'arrêter. Il rend l'abeille furieuse et prêt. Mais elle va vite venir le calmer. Mais d'abord, elle va devoir l'attraper. Ça a marché. Ses dards pointus se rapprochent de plus en plus. La lavande? Allez, l'abeille, retourne dans ta ruche. H, t'as pris un sacré risque. Non, te réjouis pas trop vite. H est pris au piège. Il va pas pouvoir s'échapper. Mais qu'est-ce qui se passe? Sonic? Même Galopin n'a pas réagi assez vite. T'arrives pile à temps, Sonic. Je sais quoi faire. Distrais-les. Sonic ne risquait pas de se faire choper. Attraper des Pokémon, c'est la vocation d'H. Quoi? Mais où il est passé? Je crois qu'Abra s'est enfui. Sonic, c'est impossible! On ne trouvera jamais les Pokémon maintenant. Hé, moi je sais où ils sont! La vente aux enchères n'est pas encore terminée. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Le prochain lot. Quoi? Est-ce que j'entends 2 millions? Abra est venu avertir son patron que son prisonnier s'est échappé. Mais apparemment, il va pas avoir besoin de le faire. Car il est venu chercher Ross lui-même. Abra préfère laisser tomber et décide de ne pas lui gâcher la surprise. Rien que pour Pichu, les gens sont prêts à dépenser une fortune. Ross reçoit des offres dans tous les sens. H lui fera jamais ça à ses Pokémon. T'es fichu, Ross! Mais il a pas l'air de vouloir retourner en prison. T'es encerclé, tu pourras pas t'échapper. Surtout qu'il y a quelqu'un de plus rapide que toi. La vitesse de Sonic est à son maximum. Il est si rapide que le temps s'est arrêté. Vaut mieux pas caresser le hérisson dans le sens inverse des aiguilles. Il pourrait piquer. Et voilà, tout est réglé. Ah oui, c'est vrai. H est plus lent qu'une tortue en ce moment. Maintenant que H a retrouvé sa collection de Pokémon, il va pouvoir mettre fin à cette pagaille. Salamèche, c'est encore toi?
Je crois que c'est l'heure de la revanche. Ross, c'est ta dernière chance de faire ton mea culpa. Personne te fera de mal si tu te rends à la police. Galoppa a enfin réussi à sortir de l'hypnose d'Abra. Et Ross semble reprendre confiance en lui. Ash et son équipe ne sont plus une menace effrayante à ses yeux. Salamèche n'a pas envie de se rebouler les ailes. Mais un Pokémon a le devoir de protéger son dresseur. Une fois de plus, les Pokémon de feu s'affrontent. Mais les pouvoirs de Salamèche ne sont pas assez puissants. Ross se réjouit déjà de cette victoire. Mais Salamèche reprend des forces. Et elle a évolué. Elle est maintenant devenue une Dracaufeu. Waouh, c'est un adversaire trop puissant, même pour Galoppa. Mais elle n'a pas le choix, elle va devoir se battre contre elle. Le flux d'énergie de Dracaufeu est bien trop intense. Une dernière boule de feu, et la pauvre Galoppa est vaincue. C'est fini pour toi, Ross, le spectacle est terminé. T'auras qu'à en préparer un autre en prison.